Découvrez le patrimoine bâti de la municipalité de Lac-et-Chemin par le biais d'une petite incursion à travers nos différents bâtiments patrimoniaux. Construite en 1891, cette résidence est demeurée pratiquement inchangée. Cette construction à mansarde de style Second Empire français accueille le premier bureau de poste alors que la population ne comptait que 770 habitants à l'époque. Trois bâtiments font partie du patrimoine architectural le plus riche de Lac-et-Chemin. La construction s'échelonne entre 1873 et 1927. À l'origine, la maison était d'un seul étage, l'étage supérieur en bardeaux de cèdre n'ayant été ajouté qu'entre 1901 et 1921, faisant ainsi passer la maison de seulement deux pièces à six chambres selon le recensement de 1921. Appelée la maison du colon, cette petite maison construite en pièce sur pièce a été démontée en six jours pour être déplacée sur le terrain actuel. Elle a déjà servi d'épicerie à l'époque. Nous retrouvons ici des hangars en déclin vertical de bois à ouverture fixe qui sont deux bâtiments secondaires monumentaux et historiques. Nous vous invitons à découvrir une panoplie de découvertes sur le patrimoine bâti dans notre brochure « Circuit du patrimoine bâti et paysager de Lac-et-Chemin, guide du promeneur ». Au fil des dernières années, notre municipalité présente une image plus urbaine avec ses nombreuses œuvres d'art public qui caractérisent maintenant son paysage. Le microsite Patrimoine culturel Lac-et-Chemin vous aidera à les localiser afin d'apprécier le talent des différents artistes.